Bonsoir VOD, bonjour, bon, voilà. L'éclairage a changé, c'est normal, j'ai changé de décor, fond vert, tout ça. Et je pense que ça se verra pas beaucoup en VOD, si un petit peu, bref, je ne sais pas. On est à la cime des géants et j'essaie de savoir ce que je dois faire ensuite. Apparemment j'ai loupé un truc, ce qui m'étonnerait pas du tout. Enfin, loupé une info surtout. Mais ici je ne suis pas, voilà, je suis pas rentrée. Pas venu là encore, donc je vais voir. Mais j'ai un talisman. Le seul truc, c'est que je sais, enfin pas un talisman, mais un médaillon à mettre quelque part, mais je ne sais pas où. De pack. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Je vais déjà essayer de descendre sans encombre. Et j'imagine que ici, bah, il va se passer un truc pas très sympatoche. On va voir. Mélina, elle arrête pas de... Elle s'appelle comme ça, hein, Mélina ? Je ne sais plus. Elle arrête pas de me parler de sacrifice. Bon, bah, ça sent un peu... Ça sent un peu l'heure du sacrifice, non ? J'ai voulu looter, je pars ici. Est-ce qu'il y a de quoi descendre ? Je vais regarder ici. Pourquoi c'est pas très haut ? Ah, si, ça a l'air un peu haut. Si, si, c'est un petit peu haut. Je vais voir en longeant peut-être. En longeant. Ou alors que je passe de ce côté-là. Ok, on va allonger, on va voir. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis un site de grâce ici. En pensant à tous les crétins qui se diraient « Bon, c'est bon, ça passe !» Ah bah non. Bah c'est pas. Mais moi, je ne serais pas comme ça. Déjà, on va looter ça. Ah, c'est vachement haut, hein. Non ? Non, là, ça va. Exactement l'exemple que j'ai donné il y a exactement 22 secondes, quoi. Là, je tiens moins bien. Ouais, bah. Pourquoi il t'aurait fallu 3 packs à une époque ? 78 000, hein. On va les rechercher. 79 000. Bah, on peut vraiment pas descendre comme ça. On est censé descendre autrement, ça veut dire. Et je vois pas comment. En plus, on a vraiment l'impression que ça fait un petit chemin exprès pour. Mais pas du tout. Attendez, il y a un petit cheveu là qui... Voilà. C'est n'importe quoi et j'ai aussi mon oreille qui me gratte. Mon oreille, pas du tout, c'est un œil, l'œil qui me gratte. Mais je vais éviter. Ah, là ça ressemble à un chemin, non? Mais j'ai peur que le jeu me fasse mourir. Ouais, ah oui non, il veut vraiment pas qu'on descende comme ça. Oh, j'ai trop peur de pas pouvoir récupérer mes trucs, on va voir. Ah ouais... C'est pas le bon truc. Je suis un peu surexposée quand même. C'est un... Voilà, je teste encore des trucs. C'est normal. C'est en phase de découverte du nouveau setup. Je n'aime pas. Non, là le jeu il veut pas que je descende comme ça. Pourtant avec tous les petits rebords, l'irrégularité de... De la paroi et tout. Bon bah ça pourrait passer. Mais du coup le jeu il essaye même pas de savoir si on va mourir ou pas. Juste il nous dit non. À peine descendu. Donc bon. Donc c'est qu'il y a un vrai chemin. Je sais juste pas, pas comment descendre du coup. On va regarder. Ouais, c'est peut-être pas maintenant. Hein. Je peux peut-être pas y aller maintenant. Peut-être que je pourrais y aller plus tard. Là, je me déteste parce que je vais être obligée de faire deux fois le tour. Parce que je suis vraie. Oh merde, c'est con aussi, ils ont fait pile poil pâte. Bref. Eh, cheveux. Je vais essayer de rentrer dans mes yeux.
putain, c'est vrai que la monture, quand tu montes dessus, elle avance forcément tout droit. Et si t'es dans une direction chiante, bah elle va tomber. Bon, on va refaire le tour. J'étais sûre que ça passerait. En fait, non. Non mais c'est bien le... C'est bien le point de grâce, là. Le site de grâce, qui est pas loin. Voilà, on est prudent. 2. Voilà. Et de l'autre côté. Comme ça, de l'autre côté. Parce que là, j'ai fait tout le tour. De l'autre côté, c'était site de grâce. Je vais retourner au site de grâce et on va voir. Grision, il veut participer quand même au live. Donnez une petite devinette à Grision, ça va l'occuper, le pauvre. Il veut pas se spoiler, du coup, il regarde pas, mais... Qui est petit et marron. Un Grision en PLS. Non, un marron. Bon, là, je pense que je peux pas descendre comme ça. Je pense que le jeu, il veut juste pas être vignette. Parce qu'il y a clairement pas de chemin, on est d'accord. Mais par contre, un truc qui peut être intéressant... ce serait de voir, vous savez, là où on est, où on a réussi à passer, c'était grâce à une chaîne. Peut-être que j'ai vu au pied du bâtiment, enfin de la structure là, on peut circuler, il y a sûrement des trucs à découvrir. Et peut-être que je peux descendre autrement alors. Ah non, c'est super giga trop haut quoi. Je vais regarder de loin. Parce que là, je me sens pas très solide sur mes appuis. Voilà. Là, je pense... Vous voyez en bas? Je pense qu'il y a moyen de moyenner. Mais du coup, c'est pas ici, en fait. Ou j'ai loupé un truc. Il y a un truc qu'il faut que je fasse avant. Bon, je pense aussi que c'est plutôt ça. Mais on dirait qu'on peut monter. Ou alors, on peut peut-être plutôt descendre. Ça me semble haut à chaque fois, donc c'est peut-être plutôt pour descendre tout en bas et découvrir un... Là, vraiment au pied de la falaise, un des trucs. Il y a un truc que j'ai pas fait, il y a un que truc qui me... Oula, qui me manque. Mais là, je sais pas, là. Il y a deux chaînes. Ah ouais. Il y a celle qui pendouille, mais je pense qu'il n'y en a pas... Enfin, il y a celle-là. Il y en a une qui pendouille là-bas aussi. Mais je pense que c'est tout, putain. Quand il fait des sauts, le machin... Il a une sacrée portée, quoi. Qui ne m'arrange pas. Du coup, je vais voir à l'opposé. Celle qui pend que j'ai vu, mais pas sûr. Bon, écoutez, on va refaire. Oh, putain, faut que j'arrête, je me fais peur. On va refaire un tour, mais j'ai envie de regarder bien le bord. Là, il y a une petite chaîne qui pend douillant, je pense. On va voir de l'autre côté, même si, bon, bah, c'est la fin de la map. Donc, j'imagine qu'il va pas y avoir grand chose. Ouais. À part ceci. Non, non. Et puis là-bas, il y a la chaîne qui pendouille. Je vais pas prendre de risque, je vais me tp là. Parce que là, j'ai déjà eu quelques frayeurs. Il me faut combien pour passer un niveau? Comme ça, au moins, je pourrais prendre des risques, ce sera pas grave. Ah, il me manque quand même 23 000, quoi. Oh, je peux, mais flemme.
Non, bah, on va explorer un petit peu. On va explorer quand même, parce que avec le géant du coup qui m'attaquait, j'ai loupé quelques petits trucs. Je suppose, hein. Mais pour la suite, je sais pas trop ce que je dois faire. J'avoue. Ah oui, ça c'était la cime des géants et ça c'était la zone de boss. Je vais l'explorer un peu plus. Ah, peut-être que d'en bas je peux y aller en fait. Regardez, là on est au niveau de... Ouais, mais on est très loin. Il y a un immense gouffre entre nous et... c'est pas par là. Stylé en tout cas. Je trouve ça trop classe. Comme d'hab. Hein. Bon épisode fini. Alors t'en es où? T'as regardé quoi comme épisode? T'as regardé The Boys? Qu'est-ce qu'il fait, Sylvain? Il le fait. J'en suis à quand je vais sur le pot, il se passe rien. Et je peux pas descendre. À chaque fois, vraiment, je fais un pas vers le... pour un peu descendre même à un endroit qui devrait pas me tuer, ça me tue vraiment instantanément, sans même que j'ai touché le sol. Parce que bah, le jeu, il dit niette. Il dit tu descendras pas comme ça. Donc je pense qu'il me manque quelque chose. Peut-être que... Enfin, Aurel, il m'a dit... Il faut que tu ailles à un feu et que tu pars et que tu vois ce qui... Oui, c'est ça. Je pense que je parle à Mélina, mais en tout cas, il m'a dit il va se passer un truc. Tu vas à un feu. Sauf qu'il sert à passer. Il m'a dit d'aller à la capitale. La saison d'Umbrella Academy, c'est sans doute la saison de trop, déjà. J'avoue que j'ai dit à mon copain, ok, tu regarderas sans moi. Hein. Bon, si... Oh, j'ai pas vu ça, oh, c'est trop classe. Après, si je fais rien, je la regarderai quand même avec lui, parce que voilà. Regarder un truc avec son copain, sa copine, c'est toujours cool. Mais... Voilà, je lui ai dit de pas m'attendre s'il voulait se mater ça quand je stream ou autre, quoi. Parce que bon... Tu peux pas descendre, en fait, ouais. Ben voilà, non mais je m'en doutais, j'ai testé à 3 endroits différents. Bon, j'ai fini par comprendre. Enfin non, j'ai testé à 2 endroits, j'ai compris, mais la troisième, c'était pas volontaire. Mauvais calcul, là. Oh, c'est stylé. Par contre, les gros crânes comme ça, j'aime trop. J'aime bien quand tu vois des vestiges d'énormes créatures et tu t'imagines ce que ça devait être. Donc vous êtes stylé. J'ai déjà dit que c'était stylé. Du coup, qu'est-ce que c'est là-bas? C'est tout rouge. Ah, c'est Nimas. Du coup, bah, c'est vrai que je ne sais pas. Même là, je ne sais pas si je peux descendre. Donc en fait, je ne sais pas comment descendre. J'ai pris la version de la VF et de la VO, ça lance par défaut VF. Donc WPage, il n'a pas... Oui! Alors oui, j'ai... Effectivement, ça j'ai vu le doublage de WPage qui, en début de saison, plutôt que de prendre l'ancienne doubleuse et de faire une transition au moment où elle-même physiquement fait une transition, ils ont décidé de tout de suite la doubler comme un homme, mais effectivement, bah ça... Ça a pas trop de sens. Donc on voit avec une perruque comme dans la saison d'avant, mais avec une grosse voix... Ouais, c'est bizarre. Donc, bah oui, Yod n'a pas changé de voix, effectivement. Après, bah, qu'ils aient choisi de respecter sa transition, voilà, je comprends. En changeant le doublage. Même si c'est délicat, je pense, hein, ça doit être assez... Ça doit être assez délicat à gérer quand c'est en plus en plein milieu d'une série. Enfin, en plein milieu d'une série. Voilà, dans une série déjà commencée. Forcément. Mais c'est surtout le fait de voilà, je pense, de pas avoir fait ça de manière logique, c'est un peu con, quoi. Ouais, bah ça, j'en doute, Sam, c'est vrai que... J'ai pas du tout renseigné sur comment la transition était gérée par la série et tout ça. Mais j'ai compris effectivement que le doublage, c'était... c'était... Ouais, ça n'avait pas été fait ça en douceur, entre guillemets, quoi.
Je vais peut-être aller voir Chabriri. Peut-être qu'il veut me dire un truc. On va tester. D'avoir choisi de doubler comme ça. C'est totalement irrespectueux. Bah, au contraire, c'est peut-être une manière de respecter justement son choix de transition, quoi. C'est juste que je pense que c'est mal fait. Mais j'ai pas vu. Je dis ça, mais j'ai pas vu. Donc c'est vrai que je me rends pas du tout compte de la voix qu'ils ont choisie, machin. Je sais pas du tout. C'est que je pense qu'au contraire, le but était d'essayer de respecter la transition. J'imagine. J'ai le conseil d'essayer de côté pour le moment. Mais ouais, mais ça je veux bien, mais je sais pas où aller. Regardez pour plus tard la partie du chaudron. Mais là, de toute façon, je peux pas y aller, donc j'imagine qu'il me manque un truc. J'imagine qu'il me manque un que truc. Mais c'est en fait vraiment, hein, c'est que là, si on m'a dit un truc, bah vu qu'en plus en ce moment j'y joue moins souvent, bah je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Si on m'a dit, s'ils m'ont dit un truc, et ben j'ai oublié. Mais la dernière fois, bah je me rappelle que la nana, elle me parlait de son sacrifice. Et après, je sais pas. Je me suis dit, ce que je te fais un indice. Ah. Perso, j'ai pas trouvé, on me l'a dit. Ouais, bah dis-le moi alors. À moins qu'il y ait un indice, voilà, que l'indice ce soit pas juste un... une énigme, mais ouais. Bon, franchement, tu sais. L'ascenseur de Rold ? C'est lequel l'ascenseur celui-là ? Est-ce que je l'ai trouvé au moins ? Parce que ça, je me doutais qu'il fallait que j'aille un ascenseur vu que j'ai trouvé un médaillon. Je vois pas lequel. Ça, c'est des Lectus. Non, c'est pas du tout là. C'est genre un Lectus. Un. Au moulin. Alcus. Je sais pas où il est, hein. Mais si on regarde pas le chat, ça me va spoil. Oui, non, mais. En fait, le PNJ me l'avait dit, mais j'avais pas compris. Je me suis rendu compte après. C'est dans les cimes. Ah ouais? Attends, il y a un ascenseur ici? La combe de cime du géant. Plaide, pierre. Genre de feu machin. Eh, j'ai pas fait ça? Si, j'ai fait ça. Grande porte. Je l'ai pas trouvé en fait. Juste au tout début. Ah oui. Mais que c'est... Ah c'est ça. Ah punaise. Attends mais... Comment je l'ai pas vu? Mais ouais voilà c'était... Mais c'était ça parce que je... J'avais dit la dernière fois, mais il y a sûrement un, voilà, un endroit au fond de ce médaillon. Mais je vois pas où. Ouais, j'ai pas du tout fait attention. Oh, je vais me faire taper par les oiseaux, quoi. Laissez-moi les oiseaux. Ouais. D'accord, si, ok. Faut que j'aille là. Bon. Activer le second. Ah, merde, je crois que j'ai brandi le normal, là. Quand aura-t-on la VOD de... Y'a pas de jeu. C'est plus sur Twitch et c'est pas encore sur YouTube. Si, c'est sur YouTube, elles y sont toutes. Attends, je vérifie, hein. J'avoue, j'aime du temps, mais la dernière, elle a été mise en ligne. Il y a toutes les VOD de y a pas de jeu. Diary note de jeu plus cher. Donc j'ai mis le mauvais là, c'est ça? La fin. Ouais, ouais, y'a. Je peux faire que d'en bas. Ah. Bah dis donc. Eh, mais non, mais d'accord, mais oui. Mais je jurerais pas sûr. Hein. Franchement, pourtant j'ai lu ce qu'il a dit, Chabriri.
Sauf un moment où effectivement j'ai passé un dialogue trop vite, sans le faire exprès. Et bah je vous propose ça, hein. Sur YouTube, ils ont Elden d'une aventure Elden du début, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Il y a certains trucs, il n'y a pas certains boss, mais pas des boss majeurs. Parce que surtout au début, enfin surtout au début, à un moment j'avançais aussi hors live. Je le fais plus depuis un moment ça, mais j'y jouais aussi un petit peu hors live. Mais sinon il y a tout, il y a une playlist aussi que j'ai pas mis à jour, il doit y avoir... Il y a... Maintenant on est à 44ème épisode sur YouTube. Ah oui, changer d'action. On dit un médaillon secret. D'accord, mais c'est dingue ça. Ouais, j'aurais pas su. YouTube, non. Ah ouais, faut... Oh, je l'ai pas mis en YTB, j'aurais dû. Je vais faire Bloody. Et c'est vrai que j'ai pas... J'ai mis Insta. Mis Twitter. Mais YouTube, je devrais mettre en abrégé aussi. Ça va le son du jeu? Oh, ça a l'air d'aller. Moi, bon, il est assez bas dans mon casque, mais vous, je crois qu'il est un peu pas trop bas. Pas normal, quoi. Oh là là, on va à la suite! Explorer une nouvelle zone, ça, c'est cool. Je suis sans jamais avoir vu cela, plus un impôt pour t'inquiète, Bloody. Surtout que... Avant, je faisais même pas de miniature, alors bon... J'avoue que la tronche des VOD, ça donnait pas envie. Maintenant, ça donne un petit peu plus envie. Ça va, le contenu est le même, par contre. Hein. Je sais plus quel PNJ te dit que tu pourrais le faire à Rod. Mais c'est bien cryptique. Bah ouais. J'ai pas tout capté. Étonnamment, ils ont pas été super clairs. Ça m'étonne beaucoup. Alors, donc on est dans les souterrains là, je pense. Ah, peut-être pas. Non, on va sortir ailleurs. Je vais sortir de l'autre côté des cimes alors. Ça c'est bizarre ça. Chemin secret vers l'arbre sacré. Eh oui. Ah, j'ai pas confiance, elle est grande. Oh, attendez. Attendez, si la statue fait cette taille. Qu'est-ce qui va être immense? Je sens un truc comme ça. Ah non, ça c'est une taille normale. Bon, je ne sais pas. Ah peut-être. Moi, je sais pas, on va voir. Je suis con, ce qui est fortement possible, sauf s'il n'y a pas... Si, en fait, Trapil, j'ai coupé la VOD. Attends, je vais réussir, hein, tu me fais peur. Attends. Excusez-moi, VOD actuel, on parle de VOD, voilà. Alors, VOD 3, à la fin, ça coupe là. Voilà. Mais alors, ça coupe un peu bizarrement. Enfin, voilà, j'étais encore... la VOD tournait encore, mais j'ai eu ma déco. Et en fait, la 4 reprend une partie de ce qui a déjà été fait dans la VOD 3 parce que en fait, bah, c'est chapitre par chapitre et du coup, quand j'ai dû continuer, quand j'ai retrouvé ma connexion, et ben, en fait, on refait un peu la même chose. Mais si, si, j'en ai coupé une en deux de VOD, la 2 et la 3, en fait, c'était une seule. C'est le jour où j'ai eu ma déco et j'ai mis la 4 après qui est la vraie fin, le vrai moment où on finit. Mais si, si, normalement, c'est pour y être tout. Et tu es tout. L'œil de bête se met à trembler. Tiens, tiens, tiens. Oh non, j'aime pas ces trucs-là, ils sont trop chiants. Mais il est trop mort. J'ai pas toute ma life. Oh là là, ça pendouille. T'as vu, ça pendouille là-haut. Oh, ça a l'air tout dégueu. Oh, c'est ça. Je suis tombé dans le vide, espèce de grognasse. Ou de grognard. Comme Denis. Bon bah tant pis hein. Écoute, fais nawak hein.
Ouais. Oh la vache! Ah, ils font trop mal, je m'en rappelais. Oh, j'ai 83 000 runes! Alors qu'on fasse des trucs. Bon conseil, ne pars pas avec tes runes. Ça, je conseille. C'est l'enfer pour sortir de là? Bah super. Après, c'est plutôt une chouette zone, oui, oui. Un truc exploré, bah oui. Une chouette zone comme les égouts? Ok, c'est moi le con. Non, non, t'inquiète, rapide. C'était un peu galère aussi au niveau des VOD à cause de la déco, donc je comprends que t'aies pas tout suivi. Is ok. Voilà, je vais tout de suite prendre popo. Je vais juste récupérer mes runes et essayer de les utiliser. Il se fait mal en descendant ce truc. Il couillon hein. Ah mais y a pas de... Y a pas de quoi utiliser mes runes en fait, je me rends compte. Ah non mais faut que je trouve un peu là. Merci Trappé, c'est super gentil. J'aime bien comment c'est parfaitement dans l'ambiance. Ils font mal, ils font super mal. Merci beaucoup, Trapil! C'est pas ça que je vais faire, c'est ça. Pour les 4 abos offerts, merci, c'est énorme, merci beaucoup. Plus, il y a Surf Money Rookie dans le tas. Mega Drive, Pattern. Coucou, Brick Brick, ça, je me rappelle pas de qui c'est, j'avoue. Merci, c'est adorable! Merci beaucoup. Et j'ai. Ah, j'ai vu aussi en parlant de There Is No Game, j'ai vu Mathieu, ce mec qui streamait et qui jouait. Voilà. Il y a un truc en l'air, c'est sûr. Rave. Vous avez vu, hein? On voit son pénis, là. Vas-y, tombe, là! Arnaqué. À vous t'es deg. Là c'est bon, je peux aller tranquillou normalement. Tranquillou bilou. Encore merci. Pile, il est VOD, fais pas chier, putain. Non. Mais t'inquiète, je comprends, pas de soucis. Déjà, c'est très sympa de vous intéresser à mes VOD. Ça me touche beaucoup. Vraiment. Donc, je vous engueulerai jamais. Parce que vous voulez une info dessus. Hein. Sauf si c'est juste pour faire chier. Mais je vais pas dire jamais, parce que j'ai tendance à m'énerver, mais... Merci beaucoup, rapide. Il y a vraiment pas de... Je vérifie, mais j'ai déjà ma réponse. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de site de grâce. On le verrait de loin, là. On est d'accord. Parce que j'aimerais quand même vraiment utiliser mes runes. Non, sinon, on monte l'ascenseur, tant pis. C'est pas grave, hein. Oh, c'est un peu chiant, quand même. À la place de la statue, là, un petit site, j'aurais du bien. On va y aller. J'ai combien de runes? 12 000 en plus, il m'en manque 10 000. De toute façon, je devrais redescendre. Allez, je vais là, tant pis. Le site de grâce. Tu peux le rusher si tu veux. Au pire, téléporte-toi. Je me téléporte. Tout à fait, tout à fait. Non! Alors, faut que j'utilise des trucs. Et je veux aussi répartir mes fioles parce qu'elles sont pas bien. J'ai 8 et 5. Je pense que je devrais plus équilibrer ça. Utiliser quantité sélectionnée, je vais en utiliser 3. Je vais voir comment ça me donne, puisque à chaque fois je sais pas. 9000. C'est bien ça. Il manque genre 1000, un peu plus. 1000 aidés. C'est moi qui ferais 1000 ça ou ça?
C'est 200, 500, 800, 5000. À 2004, hein, j'ai un peu plus. Bon, c'est pas grave. Ça va, ils ok. J'ai de gros pieuvres. Oh, oui, bah écoute, je prends pas le risque. J'ai plein de trucs. Il faut que tu les dépenses aussi un jour, toi, tes petits bonbons là. Au bout d'un moment, quand on les a, on peut les utiliser. Toi, tu n'aimes pas, je sais. Mais en vrai, ça sert à ça. On avait dit du coup. Je vais peut-être remettre. Ah, j'hésite. La dex pour mon épée, c'est ça qu'on s'était dit, hein. C'est ça qu'on avait dit, je crois, hein. La force aussi, remarquez, hein. Franchement, je vais mettre un petit point en force. Pour mon épée. Parce que mon épée, j'utilise quand même beaucoup. Ah, les fioles, les fioles, les fioles, j'ai pas réparti. Non, trop tard. Trop tard, Royal Deluxe. Et Sam, il m'a dit, il faut... Ça sert plus à rien trop d'augmenter mon intel. Ah, mais si, il fallait que je l'augmente pour un truc. Trop tard, je vais te montrer un truc. Des... Oh, je m'en remets... Oh, vous voyez pas mes fioles, je vais me mettre là. Allez pas faire comme ça. Mais pff, je sais pas comment faut faire moi, t'es marrant. Au moins ça me rajoute des points dans mon épée. Inverser horizontalement. Ah bah voilà, bah vous verrez mes runes. Ok. Pas grave, au prochain level. Oui. Pas grave. Au revoir, Royal Deluxe. Fioul sacré. C'est parti, relais 12. Comme ça. Au moins, tu vas pas les poches pleines. C'est vrai. Au moins, c'est quand même pas des runes que je perdrai. Les gens, ça va. Ah non, je crois que j'ai dit des bisous, genre je m'en vais. Voilà, let's go. Mais non, mais c'est vrai que je sais pas comment utiliser mes points, moi, maintenant. Je sais pas. Je peux passer ça, hein? Oui, passons-le, bien. Ça va être bien. Je suis vachement au milieu, j'ai l'impression. Moi, c'est un peu plus petit. Voilà. Ah c'est bien, ah c'est bien. Je vais passer, passer. Bon j'ai pas de runes, enfin j'ai plus de runes. Is ok. Maintenant, il va falloir que je me repère, que je sache où aller. Bon en face du coup c'est plus nécessaire. Alors monter les escaliers. Défoncer la grosse pieuvre. Et pas se faire tuer par les petits machins. Bon c'est parti. Ça va être chiant, il y a des dalles partout. En vrai, je redoute un peu. Ah, j'avais oublié! Non, j'ai dit qu'il fallait pas que je fasse ça. Voilà. Important surtout de pas partir à 100k. J'étais pas à 100k, j'étais à 90. Ça joue, ça joue. Je pense que d'ici je peux l'atteindre avec ça. Mais arrête de te suicider enfin! Mais t'es... Mais pourquoi tu fais ça? Il y a zéro raison hein! J'ai eu les points au moins. Mince, je me suis trompé, c'est celui-là que je veux. Il est mort. C'est un peu l'overkill, mais bon, ils sont tellement méchants.
Il y avait un autre. Ouais. Remember. I remember. Non! Pas ma guerre, salut! C'est ça! T'as vu, il a fait son choix. C'est bon là? Parce que je vois. Ah ben je vois rien, mais oui, mais ça, ça va m'aider. Un petit peu quand même. J'entends. Des trucs là-haut, falloir monter, descendre, y'aura. J'ai vu, il y a des couloirs partout. Masque de mission vulgaire! Grèce glaciale. Je te vois, toi. Oh, je vous vois aussi, vous. On va prendre le truc qui fait double, c'est ça. Je crois que si je fais celui-là, ça sera pas mal. Ok. Là-haut. Ça va. Mugue mortifère. Oh, un site de grâce. Ok. Du vent dehors, on dirait. On va sortir tout de suite, on va voir. J'ai trop envie de savoir ce que c'est. Où on est surtout. Oula! C'est tout brumé! Oh, mais ça, tu m'en avais parlé! Un endroit où genre tu te fais défoncer par des mobs qui te voient mais toi que tu vois pas. Mais oui, je me rappelle, Sam il m'avait dit. J'ai pas envie d'être ici. En plus, ça fait mal aux yeux. J'ai mal aux yeux. Mais si je mets ça, je vois mieux. Et plus mal aux yeux, je mets pas ça. Je suis direct parti sur le rocher. Sur le côté du rocher, là, pour le longer. C'est un réflexe de survie, ça. Longer le rocher. Meilleure zone. Tu vois au dernier moment, en général. Génial. Ça fait longtemps, tiens, un peu un tome. Montrez-moi la voie aux douze lueurs. Emmenez-moi jusqu'à l'arbre sacré. Ça va, c'était rapide. Oui, douze lueurs. Bah, là, d'où non. Ni lueur, parce que tout est flou. Je dirais agressive... agressive obstruction de la vision. L'inverse, quoi. Oh non, elle est tombée! Il y a un truc là-bas, c'est sûr. Il y a un truc là où je suis. Il y a une fleur, et il y a... du bord. Oh bah non. Par contre, les fleurs, on les voit bien. Parce qu'il a pas des Ray-Ban protection là, c'est vrai? Bah, en fait, lui, il a complètement un casque. Où l'oxygène n'a même pas l'air de passer, donc bon, ça doit aller pour lui. Hein. C'est nous, hein. Nous, par contre, on a un galère. Pour nous, c'est cruel. Dans le truc par lequel t'es arrivé, tu peux explorer plus. Ouais, ouais, j'irai après. Moi, je vais aller là, moi. Ah, il y a des passerelles invisibles, par contre. Ça... ça, si tu tombes pas par hasard dessus... c'est un peu chaud, quoi. Ok. Site de grâce. On est où? On est au début encore. J'aimerais bien trouver la map quand même. Oh, je vois ça.
C'est trop facile. Il va y avoir un truc bien pire au loin. Genre des loups. Le loup trop vénère. À mon avis, ils connaissent les choses et les mécaniques. Je sais pas comment les gens... Ah oui, je sais pas comment les gens ont trouvé. Ils ont trouvé au fait. Mais oui, mais c'est ça. Mais dans les souls, en fait, il y a quand même plein de trucs qui reviennent. Donc si tu le... si tu as déjà... Enfin, ouais, il y a sûrement eu ça dans un autre soul, ça c'est vrai. J'aurais jamais pensé à lancer des cailloux dans le vide, moi, clairement. Clairement. C'est un très bon exemple. Le coup des murs invisibles aussi. Ah bah apparemment dans les souls c'est courant. Et ferme. Ah ouais. Ta gueule. Ah. C'est trop mal. Une monture aussi peut-être. Ouais mais en monture c'est chiant. Et il y a le DLC de Cuphead qui est sorti. Ah mais c'est dur Cuphead. Sympa mais c'est dur. Peut-être ma dose en ce moment. Pourquoi une zone pareille? C'est nul, il n'y avait pas besoin. Ah c'est pour le côté défi. Mais mais j'avoue je suis pas plus fan de l'idée non plus. J'ai esquivé ça. Ah non, arrête. Enfoiros. Non, 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 non. Je refais le même parce que j'enchaîne les coups nuls. C'est très difficile pour pas grand chose. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis pas fan non plus. La difficulté imposée par le manque de vision, c'est ouais, c'est un peu facile. C'est une mécanique un peu facile et je suis assez d'accord que c'est pas nécessaire. On l'a un peu dans les grottes, la faible distance, manque de vision. Et c'est différent parce que voilà, c'est ça étape par étape, machin. Mais c'est vrai que là, je suis totalement d'accord. C'est pas du tout nécessaire.
regarder ma vie, quoi. Ah, il est pas mort, reste enfoiré. Vous me gonflez déjà? En plus, du coup, tu perds tes loot. Là, le gars, il lootait peut-être des trucs, mais je sais déjà plus trop où il est. Là? Il m'a rien donné, c'est ça. Foiré. Bon, allez. Mettre un point. Moi, je vais mettre des points sur la piste à suivre. Mais il y en a un autre qui est mal mis. Voilà, il est là. Dégage. Voilà, ça m'aidera. Bah écoutez, je voulais explorer une zone sympa. Bon bah ce sera pas celle-ci, parce que je vais pas me faire chier à l'explorer, je pense. Un petit peu, évidemment, parce que j'ai la curiosité, mais mais j'ai déjà mal aux yeux. Oh non, si je me rappelle. Les petites boules de ténèbres. Putain. Mais c'est affreux! Stop là! J'ai idée de ce que c'est. Je cours, je m'en fous. C'est stylé quand même. Oh ouais, oh ouais, c'est classe. C'est flippant. C'est stylé. Je vais retourner sur le chemin, moi. Pardon, je regardais. Je voyais des gens, je me suis dit, c'est sûrement des potes. Vu qu'une raison. Oh, on voit. Nirel roulait avec du brouillard, ouais, juste en capot. C'est dur, alors en jeu, j'ai vraiment pas hâte. Ok. Je vais voir ce que c'est, ça c'est un... C'est juste un repère. Oh, là-bas, il y a des gros trucs tirés par des géants. What is that? Pourquoi c'est lumineux? De la lumière, je tape. Ah, par contre, ça me plaît. Yeah, the loot est ultra faible. Je les ferme pendant des heures. Je vais leur armure. Je regarde wiki officiel. Taux de loot 0,0 point 0,0 quelque chose. Ok. Pourtant, oh, en plus ils sont très chiants quoi à faire. Même pas 1%, ouais, je comprends. Ça me... ouais. Bon, cela dit, c'est des taux de loot que... Ça doit pas être les seuls à avoir des taux de loot comme ça, mais ils sont déjà chiants à tuer. Tu les vois pas? Alors bordel, mettez-nous au moins un taux de loot potable. Alors, ok. Ok, ok. Oh, c'est marrant, on dirait des chiens de traîneau. Oh, mais ils s'amusent et tout, ils sont trop pipous. Ah, ils sont trop pipous. Qu'est-ce que c'est là-bas? Alors, attendez, vous savez quoi? Je vais mettre deux repères. Je vais aller genre là faire les géants et je vais aller après derrière moi. C'est pas le meilleur truc, c'est plutôt là. Voilà. Regardez, ils sont trop pipous. Il court comme des foufous. Putain, c'est Balto. C'est Balto et ses amis les chiens de traîneau. Quoi? Pourquoi? Ça va se péter sous mes pieds, c'est ça? Ça va pas être drôle.
Anastasia la dévoreuse. Dégage Anastasia là. Fais chier. En plus elle vient de super loin. Oh je vais te défoncer. Ah ouais j'avais oublié, ils esquivent toujours comme des fous. Oh je l'ai pas touché. Oh elle m'a fait trop mal. Dégage Anastasia! Fais chier tout le monde Anastasia! Pas de forge sombre dragons anciens. Coucou tous les deux! Je ne fais que passer. Hop. Ah! Faut que je tue. J'ai un mauvais souvenir avec vous, mais vous pouvez plus rien faire, vous êtes un peu attaché quand même. Hein? Hein, c'est vrai. Hein, vous pouvez plus me faire grand chose. Ah vache. Plus de mana, attends. Et si je te donne ça là, ça fait plus mal ou pas? Pas trop, hein. Si je me mets derrière toi. Non, non. J'ai visé mille trucs que je voulais pas viser. Mais t'étais avec eux. C'est comme ça que ça s'ouvre. J'ai oublié, hein. On va dire que oui. Ton arme, Anastasia, mais t'es bien trop grande pour elle, Anastasia. Elle se la pète un peu, Anastasia. Elle a perdu le sens commun, petite Anastasia. Moi, je te le dis. Mais dis donc, c'est foufou ça. Et Mitchou. Monsieur... Ah si c'est ouvert. Laisse-moi tranquille. Je vous vois là. Épée courbée gracieuse. Tiens. Je tue pas, c'est juste pour qu'il sache qui c'est le patron. Je vais. Tu es pas si cruel. Bon les petits loulous, je vais les éviter quand même. Je les sens hop. Dans cette zone qu'elle lâche l'arme. Mais c'est elle qui peut lâcher l'arme ou c'est juste que tu peux la trouver mais autrement? Oh non, pas lui. Non, je vais pas. Oh non, mais il y a plein de sentinelles. Je déteste ça. Il est sorti par la bite celui-là. Merci Nico Robin Clutch. Génial Nico Robin Clutch. Ce serait gentil, Nico Robin Clutch. Bienvenue. Alors. Oh, c'est... Hey, là, il y a une ambiance, quand même. Le côté un peu brumeux. La texture de la brume. Un peu brouillareux. Dans un cimetière. Enfin, remarque, c'est une cité, en fait. Mais dans la cité, là, par contre, ça a un petit flow. Je peux pas te parler? Non, je peux pas. Toujours tout pété, ça me va. Ah oh, des portos. Voilà, activer des que trucs.
Mais les fantômes là ne sont pas hostiles. Très appréciables. Je sens qu'à un moment ils vont tous être hostiles, ils vont tous me sauter dessus et moi je vais être en confiance. Il va se passer quelque chose et ils vont tous vouloir me taper. Je préchote. Je peux pas mettre ma monture ? Si, je peux. On sort des corbeclettes ! Examinez le seau. C'est fermé par un seau. Ouais, merci. D'accord. C'est super examen quoi. J'analyse que la porte est fermée. Et ça, il me faut un petit fry. Par contre, ça c'est un ennemi, ça. Mais non, c'est l'énigme. Attends, on va regarder. Allumez les torches des quatre statues dans la géole éternelle. Comment j'y vais? Ok. Ça craint un peu ça, non? J'ai 50 000, hein. Garde cette zone pour la fin, explore tout le reste avant. Non, oh, j'explore ça, moi. J'aime bien, hein, c'est joli. Ici, en plus, je vois un peu à deux pas devant moi et ça, c'est cool. Par contre... Il n'a pas fini ici, ma vente. J'ai envie d'y aller. Mais par contre, je voudrais trouver un feu. Quand même dans le coin, ce serait cool. Je pense qu'il y en a. Oh, il m'attaque pas. Ça, c'est, hey, c'est très plaisant. Ah! Je tombe. Je vais me c'est putain d'ultra chaud derrière. Mais qu'est-ce qui n'est pas ultra chaud maintenant, de toute façon? Enfin, cette zone, parce que c'est froid, mais tu as compris. Voilà! J'ai trouvé mon petit truc, je pourrais aller. On va se poser et se reposer, tu. Hidogo! C'est trop mon poteau. Ils vont forcément me casser la gueule un moment, mais pour le moment, je profite. De l'instant présent. Profite de l'instant présent. Ok, let's go, on va voir ce qui se passe. Je sens que je peux peut-être potentiellement un peu galérer à retrouver cet endroit. Parce que c'est quand même un peu flou. Donc, je mets un petit point. Ah, c'est la même ville, mais pas. Pas avec des fantômes, avec des vrais qui vont vouloir me buter. Je comprends, mais je l'avais pas dit. Il va se passer un truc, ils vont vouloir me buter. Trop strong. Allumer des torches. J'ai jamais fait ça. Très bien, très bien. Et bim! Je t'ai eu, je m'en fous, je saigne un peu. Ah! Attends, il est derrière moi. Vu, c'est là. M'en fous, je t'ai vu. C'est du nul. Il est plus là. Non mais tu t'es pété, t'es invisible, please. Ah la vache. Un
un ennemi super rapide, invisible et qui se TP. Et pas d'autres pouvoirs en stock. Vas-y, pépé. C'est compliqué, non? Il y en a que ça devient de pire en pire, j'attendais pas s'il y a des zones comme ça. Tout est possible, hein, avec From Software. Mais c'est pas gentil. Ah la vache. Tiens, je t'ai eu, connard. Je vois que tu es en confiance là. Ah ! Oh non ! Ceci dit, j'avais un truc pour les voir. Ah, ils t'ont dit plein dans le jeu. Ah! Good to know. Bon, l'avantage, c'est que voilà, je suis pas loin. Attends. Un truc pour les voir, peut-être. Bah, l'aveugle, bah, que pour moi, hein. Lui, il s'en sort très bien. Je sais pas pourquoi je me dis que c'est un casque, mais pas forcément. Oh, il est stylé ce casque! Oh la vache! Oh, mais pourri, mais stylé! Pourquoi les casques stylés? En fait, si je les mets, c'est tout pourri. Et ces boulangeries de Elden Ring. Ils disent quand tu meurs, vous avez pétri. Une torche dont on te parle dans le donjon nord de Lindel. Pour afficher les assassins. Ah oui, ça me dit quelque chose ça. Level 10. Mais le problème c'est que c'est une arme. La torche. Ou pas, je me trompe peut-être. Il est chandelier. Je me demande si tu l'avais acheté. Bah, je me le demande aussi. Non mais c'est trop dur. C'est mignon d'avoir souri, j'en méritais pas tant. Ah tu sais si je peux soutenir. Oh. 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 Attends, ça fait quoi cette tenue des couteaux noirs là? Capuche des couteaux noirs. Hein. Je cherchais la tenue des couteaux noirs en...
conçu pour ne faire aucun bruit. On raconte qu'elles étaient originaires du royaume de Numen. Ok. Ça dissimule les pas, mais ça m'aide pas ça. Ah, Lendel. Je sais plus où c'est Lendel. Attends, si je dézoome, je vois. Yurnia. C'est où Lendel? C'est là? C'est le plateau d'Altus, ça. Je sais pas où c'est. Au nord, à l'est d'Altus. Hop. Au nord. Genre c'est là Lendel, c'est ça? Ah bah c'est pas les couteaux noirs? Remonte. Ah mais c'est sur le plateau d'Astus, Lendel. Bah l'est, là hein. Ça c'est l'ouest. Ah oui, carrément au nord, pardon. Hauteur des moulins. J'ai pas trouvé beaucoup de marchands moi. Hein. Je sais peut-être pas hein. Non mais je pense que je l'ai pas, parce que Nord-Est, après c'est la capitale quoi. Marchand nomade là. Et tout au nord, c'est la hauteur au moulin. Et après c'est l'ouest. Sinon c'est la capitale. Il y a un champ de bataille au nord de la capitale ? Hein? Mais comment ça c'est Lendel ça? Je comprends pas. Regarde ici ça. Ok. Sinon je fais ça sans le flambeau. Mais le problème c'est que si c'est une arme, j'aurais pas la force hein. Un peu ça le souci. La ville, la capitale. Y a pas écrit Lendel quand je suis dessus, c'est ça qui m'énerve. Écrit la capitale tout le temps, mais y a pas écrit Lendel. Du coup je comprends pas. Je sais pas où est-ce qu'on est censé voir le nom. Alors quand tu dézoomes, tu vois nulle part Lendel. Et il y a l'Elden Ring. Sinon, ils disent tout le temps la capitale. Donc on est vachement plus avancé. Je vais looter un peu. Quoi ça? Tu vois des picots? Bah mais c'est bizarre. Hein. Oh il y a un gars avec une... Oh il y a un mausolée. Grosse épée. Une grosse épée, une grosse hache ou un gros martal, je sais pas. Ouais j'ai le moulin tout au nord. Il y a les vieilles qui dansaient, ouais. Le sort du moulin et le village au moulin. Oh, pardon, jeu païen. Une route qui descend vers le sud-est. Dans les remparts, il y a un site de grâce là. À l'intérieur des remparts ou à l'extérieur des remparts? Attendez, là je suis à quel feu?
mettre un petit point. On va aller chercher. Intérieur des remparts. Ok. Et ben on va follow the way. On va voir. C'était trop sympa ces petites vieillardes. Franchement, quand je serais décrépite, je voudrais être comme ça. Parce que si je suis ce chemin... Ah non, je retourne dans le village là. Mais oui. Non mais désolé. Ah, elles sont méchantes elles. Parce qu'elles dansent pas elles. Pourquoi elles sont méchantes? Ah, je peux pas voir ma map. Ouais, il faut que je sorte du village, c'est logique. Je peux voir ma map maintenant? Quoi? J'imagine que c'est ce chemin là, je peux toujours pas. Vous voyez les remparts, hein, donc c'est ce chemin là. Ouah! Oh, c'est chiant. J'ai qui dans ces images la plus creepy vu depuis que j'ai fait visage. Faudrait que je retesse visage. Mais t'es un peu ennuyé au bout d'un moment. Mais faudrait quand même que je retente. J'ai tout buté moi. Et ben moi j'aime bien la joie de vivre que dégagent ces dames. Je respecte, ok? Effectivement, super creepy. Les vieilles qui dansent! Vous savez qu'elles font ça tous les dimanches, tiens des balles. Des balles de vieilles qui dansent. Bon chier! J'avais oublié ça. Ça fait trop longtemps. Ah, mais j'aurais dû aller. Mais il y a un site de grâce pas loin, j'aurais dû aller dedans. Ennuyé, waouh! Ouais! Mais ça fait très longtemps, donc est-ce que c'était parce que c'était une bêta, tout comme ça, c'est possible. Hein. Alors. Elle danse de jour à l'idée de écorcher des mecs pour faire des fringues. C'est celle qui attaque hein, qui ont cette idée. Les autres, juste, elles dansent. Elles sont heureuses. Sur la hauteur? Ah ouais? Alors là, je continue à avancer en gros. Je vais monter ici. J'avais fait que passer ici. Ça se voit un peu, hein. Oui. Effectivement, c'est bien un marchand. Merci. Bah non, bah le coup de la torche, alors je pensais à autre chose, mais un truc qui datait du début du jeu. Tiens! Il y a quelqu'un? Une cliente? Eh bien, ça faisait longtemps. Tournesol doré. C'est mignon. C'est ça? Ah, j'en ai déjà une alors. Je crois, hein. Ah non, peut-être pas. Peut-être pas. C'est peut-être pas une torche de sentinelle que j'ai. Ouh.
Où est-ce qu'on voit si on l'a? Ah, j'ai oublié. Non, effectivement, j'ai pas en fait. Idée sottise. J'ai confondu avec une autre. Ah bah cette note, elle m'aura aidé peut-être. Ok. Thank you so much. Combien de vie? Oh, je sais plus dans le loot. J'ai pas 15 de fois quoi. Oh putain, faut de la foi! Ouais, mais je suis super loin en plus d'avoir 15 de foi, j'ai pas fait gaffe. Mais oui, j'ai vu qu'il y avait une croix et j'ai même pas regardé. 15 de foi! Et 15 de force, mais c'est ça qui est la merde avec ces trucs là. Et après on me dit non. Bordel, je peux pas avoir un truc avec de l'intel. Avec un masque ou un pendentif, bah pour les... Le problème c'est qu'il faut que je triche et pour la force et pour la foi. Ça va être compliqué. Ça va être putain de compliqué. Alors je tourne un tel, tu veux pas respecter un peu? Mais je veux faire un truc un tel là! Pourquoi je peux pas être un tel? Ah! Voilà. Voilà. Ma soirée est niquée. Pourquoi il faut de la foi pour tout quoi? Franchement, build un tel c'est trop pourri. Alors que j'aime bien le jouer. Je veux pas respect, pas envie. Ça a toujours mal en Intel, mais je veux faire très mal en Intel. Elle respecte rien ni personne à ça. C'est quoi qui donne des bonus de foi là dans mes fringues? Rien, évidemment. Voir les talismans. Ah non, le truc comme ça. Il y en a un qui donne de la foi. 9. Je passe de 7 à 9. Faut que je me mette de la foi, quoi. Mais j'ai pas la foi. Je suis dégoûtée. Franchement, on peut pas faire un build intel dans le jeu. C'est pas possible. Donc comment on respect? Je vais regarder sur internet parce que j'en ai aucune putain d'idée parce que j'en avais aucune putain d'envie non plus. Et j'ai toi Darwell. Royal, comment on respect dans ce jeu nul? Tu vas voir la nana, ça te coûte juste une mécouille larvaire là. Ça comment... me coûte ma dignité. Non non mais en fait si tu veux c'est pas... très très grave, ça coûte que un bordel larvaire là, il y en a partout dans le jeu en plus. Et tu Renala. Vas voir. Rena, la Thiel dans l'académie. Elle va te. On va voir Renala alors. Tes points. Et bah tu pourras faire ce que tu veux après dans le jeu. Même pour toi, si ça va bien se passer. Non. Le problème c'est qu'il faut étudier ton build. Il n'y a pas que la rospé qui fait que étudier ton build avec savoir de quoi. Avec quoi tu veux te battre? Avec l'intel, mais j'ai pas le droit apparemment. Alors, il y a des builds d'intel viables, mais il faut un certain bâton, un certain spell et un certain... C'est ce que j'ai, c'est très bien. Mais Mais là, pour faire la zone, il me faut forcément un peu de foi.
Et voilà. Pourquoi forcément un peu de foi? Qu'est-ce qui te manque? Parce que je suis dans une zone où tous les ennemis sont invisibles. Seulement ouais. Un de les voir, c'est d'avoir une torche. Et vu que ouais. Je suis un connard de mage, bon bah je peux pas porter une torche. Donc il me faut de la foi. Mais est-ce que la torche équipée juste te les révèle? Parce que derrière, t'as pas besoin d'un spécial de cette torche. On s'en fout. Tu la mets et quand même la mettre, toi, si ça la voit. T'es pas con, toi. Bah... Je sais pas. Enfin, moi je dis ça comme ça. Je sais pas, je connais pas cette zone, j'ai jamais fait. Ah bon? Non, j'ai jamais fait moi cette zone. Mais t'as fait quelle zone après la cime des géants? Oh, moi je suis dans des trucs. Un moment j'avais de la boue jusqu'aux genoux. Oh, t'as eu des trucs toi? Ah, il se passait des trucs, un bourbier et tout ça. Oh là là. non, en fait, je suis dans un village, il y a des méchants invisibles. Ouais, bah si c'est une torche qui te permet de les voir, tu peux l'équiper la torche sans même qu'elle ait un spécial. Normalement, tu peux équiper toutes les armes, c'est juste que le spécial de l'arme, tu l'as pas. Non, mais en plus, il me faut de la force aussi. Bah, tu taperas pas avec, enfin, dire. Ouais, mais c'est une arme. Elle a un spécial? Mais on s'en fout. Bah, c'est que du coup, je vire une de mes armes pour les voir. Ah oui! Peut-être va falloir que tu vires, par exemple, ton bâton en offhand. Comme ça, tu te bats que avec ton épée, tu utilises le spécial de ton épée. C'est tout. Ouais. Et comme ça, tu le flingues comme ça, si c'est un ennemi qui est pas trop... Enfin bref. Sentinelle. Je vais essayer, en vrai. Enfin, on va essayer. Et sinon, ouais, il te faut des mécouilles larvaires, là. Et couilles. Larvaires. Couilles. Exactement. Auprès de la nana de l'académie, là. Tu sais, au milieu, là. Qui... Ton enfant, mes couilles, là. Et elle te fait renaître, et du coup ça t'enlève tout. Tu dis mes couilles à chaque fin de phrase. Oh, c'est presque pas vrai, mes couilles. Bon. Alors là, il y a un méchant. Un méchant. Bref. Oh ouais, je le vois. Ah, je suis dans la merde. Je peux pas y... Je peux pas utiliser mon... le spécial de mon arme. Pourquoi? Parce que j'ai un truc à la main et ça marche pas. Elle veut pas. Je la déteste. Une fois que tu l'as révélé, il reste pas révélé du coup? Une fois que tu l'as révélé ou t'es obligé d'avoir cette torche? En fait, c'est surtout que je vois passer dans le halo de ma torche. C'est pas que je le révèle. C'est que si je m'approche de lui, je le vois avec la torche. Donc je pense que oui... Non mais oui, mais ça va être un enfer, je vais de toute façon pas pouvoir me battre. Regarde ton arme, est-ce qu'il y a toujours les propriétés je pense que je la vois, elle est bien. Ah oui, non mais oui, toujours. Est-ce qu'une fois que tu l'as révélée, genre est-ce que tu la vois, tu peux passer à la deux mains et puis utiliser ton arme comme si... Enfin, avec la compétence. Sûr que non, parce que comme je dis, c'est pas ce qui passe dans le halo de ma torche, donc une fois que j'ai plus de torche, j'ai plus de halo. Je vais tester, mais il disparaît dès qu'il se recule un petit peu, quoi. Ah ouais. Je vais retester, mais... Bah, faut voir. Ou alors, attends. Si j'inverse épée... Et t'es obligé d'avoir un truc à ton offre. Il n'y a pas genre une ceinture, une merde. Ah, c'est une arme, même ta en ceinture fait. Qui éclaire. Mais oui, elle marche que dalle, ma ceinture. Oh, c'est de la merde. Oui, c'est de la merde. Mais bref. Je vais inverser, je vais mettre l'épée main... Ah bah non, ça marchera pas. Non, je pense que ça marchera pas. Mais pour utiliser ton spécial, faut que tu... Switch à la deux mains et je pense que ça devrait marcher. Ouais, ou alors que j'ai plus de torche si je fais ça. Momentanément, tu sais, au pire tu enlèves ta torche momentanément, peut-être. Genre t'appuies sur putain, le temps bouton. Que ça prend quoi? Non, le bouton gauche. Oui, je sais, mais en vrai bah il est super rapide hein. Il est extrêmement rapide et il se téléporte assis en plus d'être invisible. Ça va vraiment pas être possible de switch. C'est quoi tes ennemis là? C'est du connard. Mais ou alors passe, fais juste le swap de main, tu sais, avec le truc pour passer une main de main. Ça c'est très rapide. Tu gardes ta torche et tout ça et tu swaps de main. Bah je sais pas comment le faire. Alors c'est flèche du haut de ton joystick, enfin ton pad gauche, et c'est un des R1 ou L1. Oui.
Sinon, sinon en fait je rush. Je sais pas de le faire, effectivement. C'est ça. Et joystick du haut, enfin, oui. Ah oui, pas mais... du haut, celui de gauche, et ensuite. Ouais, non, mais ça revient au même. ça... Et comment je repasse en deux... Ah, voilà. La même chose. Y plus R1. Oui, mais... Ah, c'est pas plus rapide. Pas ton... Voilà, c'est ton spécial à la demain. Bah oui. Oui, à la demain, oui, mais j'ai plus... Ma torche ne sert plus à rien. Ouais, bah après, une fois que tu l'as rêvé, il va pas être invisible direct, peut-être. C'est pas, oh, il y a peut-être un. Aussi. Il y a peut-être un truc, bah faut essayer. Ouais, ça y est, il est invisible. Ah, c'est pépé là, je pense. J'entends derrière moi. Oh, j'ai rien fait jusqu'à présent, mais j'ai envie d'y aller en fait. Ah oh, je cours. Je peux pas mettre ma monture, bah évidemment. L'intérieur d'une geôle. Comment le jeu il me déteste. Moi je suis à l'intérieur d'une geôle, ouais. Truc. Vas-y, je passe là. Ouh, il peut pas me taper ce bâtard. Tu peux pas me taper, je sais que t'es. Hey, t'es un loser, espèce de loser. Ah, il est juste là. Oh, attendez. Je peux faire des trucs. Je sais. Équipement. Là, je mets mon bâton. Je suis tucloté, toi. Avec zéro fair play. Ça, c'est mes deux. Alors. Là, vivement le prochain. Hein. Oh, il esquive ce bâtard, évidemment. Oh, yolo. Ouais, et puis tu te caches derrière le poteau, hein. Pipette. Moi, je me cache pas. Ouais, je vois ça. Je survis. Allez, parti. Parti, hein. Ah, tout d'un coup, ça flippe un peu, hein. Je sais pas qui est-ce qui flippe le plus là des deux. Ah. Ouais, mais ce qui me semble là, jamais moi. Trop mauvais cul pour ça. Salaud. Bon bah je vais juste courir. Je pense. Non monsieur. Franchement ça se fait. Je crois que j'ai mis une torche genre ici. Tiens, c'est ici. Non mais en fait c'est une énigme. Ah, il est derrière moi. Vas-y, tape dans le vent, je m'en fous. Putain, mais il me suit de fou. Arrête, tu énerves tout le monde. Oh, il fait trop mal en plus. Un figural. Arrête. Il s'arrête jamais de me suivre. Oui, sinon tu le fais à la magie. Ouais. Fais gaffe à ta vie, juste. Imagine. M'en fous, j'ai été spammé. Comme les gens pas du tout fair play dans les jeux de combat. En même temps, bon, t'es invisible et tu téléportes alors, hein. Ça, quoi. Tu dodges bien ces attaques, je le fais facile. En fait, facile tant qu'il y a... tant qu'il me touche absolument pas jamais, quoi. Et qu'il n'y a pas d'autres ennemis qui se mêlent. Pense à ta vie. Oui, merci du conseil. Ouais, mais non, mais il y a un autre truc qui t'a tiré des flèches. Oui, je sais, c'est ce que je dis. Tant qu'il n'y a pas un... Parce qu'en fait, il n'est pas tout seul dans la vie. Et qu'il n'y a pas un autre ennemi qui se mêle du truc, tu peux peut-être le faire. Sachant que, bah, il n'y en a qu'un, quoi. Mais j'ai déjà allumé le feu, au pire. Au pire, j'ai pas besoin de repasser là. Après. Et elles sont où mes trucs? Elles sont où mes trucs? Where are my trucs? Ah, elles sont là. Et je vais chercher un autre endroit où il y a les flammes, franchement. Prochain conseil, tue le live, sonne toi. J'ai entendu pris une flèche des mecs du toit. Oui, mais en vrai, c'est lui qui m'a tué, quoi. On m'aurait peut-être pas achevé si je m'étais pas pris une flèche. J'avoue, c'est bleu si peu.
Mais le problème, c'est que je sais pas où sont les autres shooters. J'ai toujours pas mis de monture. Bats-toi dans le terrain que tu connais, que t'as déjà exploré. Tu le kite vers là, comme ça, forcément. J'ai pas du tout voulu faire ça. Non, sûr. En fait, je veux juste plus aller à cet endroit-là, parce que j'ai plus besoin. Si, c'est vrai, j'ai pas besoin, j'ai plus besoin d'y retourner. Tout à fait, hein. Donc on s'en fout. Flammes. Faut que j'allume d'autres torches. Donc faut que je les trouve. Donc faut que je visite. Donc c'est pas facile. Il y en a 4. J'en ai allumé une. Ah, il est là-bas, je me tiens. Je pense qu'en tout cas, c'est pas là, c'est vraiment dans la ville même. Là, il y a un petit loot. Après, il n'y a pas que lui en ennemi, il y en a d'autres. Je pense que lui, c'était le pire. Et le boss, ils sont 4 arrivés en même temps. Hein ? Je crois que ça peut passer la zone. Arrête, hein. Voilà, en hauteur, ouais, d'accord. J'avais pas vu que je pouvais monter. Je passe sans monture, je me disais, mais je peux pas aller sur les toits, en fait. Je saute pas assez haut. Mais il y a des échelles. Ah, une autre... Il y en a une ici. Ah ! Ok. Une autre allumée. Est-ce que de là, je peux voir les autres? Oui. Ok. Il y en a une autre là. Et la dernière, je sais pas. Ok. Il va falloir trouver un moyen d'y aller. Ah, j'ai entendu des trucs. Il va se passer des trucs. Oh non, ils sont chiants. Ils sont un peu nuls. Je peux monter, moi, là? Ah, ils m'ont visé. Oh putain. Deux feux sur quatre. On progresse. C'est vrai, y a pas plein de flèches. Non, et puis ça va, c'est pas du spam, quoi. Je vais essayer de les récupérer tant que je suis dans ce monde-là, parce que... Ah, mais non. C'est dans les zones auxquelles j'ai pas accès. Et... Parce que dans ce monde-là, et eh ben, ils peuvent pas me faire mal. Ah bah tiens. Ah, j'ai réussi à les récupérer, c'est bien. Ah, c'est bien. Oui, tu devrais clairement explorer tes possibilités dans ce monde-là pour aller... Le problème, c'est qu'il y a des gros portaux qui m'empêchent de passer à certains endroits. Donc pour explorer, c'est assez chiant. Il n'y a pas dans l'autre monde. Le Jolly Jumper, il est... Il saute. Hein ? Ça a coupé, j'ai pas entendu. Jolly Jumper, il est fort, il saute pas. Oui, bah là, j'ai réussi, ouais. Mais de toute façon, je sais où est la suite. Il faut que j'aille dans ce monde-là. Mais il faut que je meure pas, quoi. Quoi? Arrête! Mais d'où? Il m'attaquait pas avant! Arrête! Non, tu es trop nul. Il est où? Voilà, je peux pas le viser, là, ça m'énerve. Oh non, dégage-toi! Et te... Non, pas toi! M'en fous, je reviens dans mon monde. Oh putain, je peux pas. Arrête, fous-moi la paix. Je te fais rien, toi. Putain, l'autre qui se mêle de ce qu'il regarde. Hop, j'avais lâché l'affaire avec lui. J'ai l'impression qu'il se passe des bris. Ah, c'est horrible. Attaquer tout le temps. Ils font ultra mal. Mais ils font tous ultra mal. Avec leur arme, alors que toi, avec la même, tu décoches... Oui, tu les écorches à peine. Mais ça me fait penser aux sorts aussi, hein. Tu sais, les sorts qui te retournent la chevron
Quand t'es, ouais, quand le boss. Tu joues un peu en hard mode, vraiment pas beaucoup. Hein? Ça coupe, hein? Tu joues un peu en hard mode parce que t'as vraiment pas beaucoup de vie. Ouais. Ouais, moi je suis. Tryhardeuse. Ouais, je suis un peu une fofolle. Pas moi qu'faut le lire. Oh non, il est là! Attends, je me casse direct. Voilà. C'est pas facile de savoir comment j'étais montée tout à l'heure. Je sais plus. J'ai vu. Par là. Tu étais parti de l'autre clocher. Ouais, mais l'autre clocher, je sais plus comment je suis montée. Ah si, c'était là, je crois. Je suis passé là, je crois. J'ai fait un move chelou. Enfin, je suis arrivé là et là, il y avait une échelle. C'est très logique. Voilà, on va partir de ce clocher là. Le problème, c'est que les archers, ils vont quand même m'emmerder beaucoup. Il va falloir roulade. Ouais. Je vais mettre mon... mettre ça. Je vais mettre là. Voilà. Oh, tu peux peut-être la voir. Il est où? Je vois pas. Là-bas. Oh, ça va être chaud, j'ai vraiment pas, j'ai pas la même portée qu'eux. Hein. Oh, le spam en plus. C'est pas le coup de le tuer. Non, mais le problème, c'est que lui, il va me tirer dessus si je le tue pas. J'arrive même plus à monter. Ah, d'accord. C'est pas super. C'est trop dur. Je pense que si t'es sur la pente gauche, toi, celui qui est à ta droite va tirer dessus, il n'y en a plus qu'un, il va tirer dessus. Jusqu'à le problème, ce que tu attendes c'est juste un, ça suffit. Hein. Après, c'est plus facile d'esquiver. Après, tu risques que j'ai tué les deux. Ouais, non, mais moi, je meurs tout de suite. Sinon, là où tu passes avec ton canasson actuellement, tu peux passer à pied. Attends, je vais tester. Est-ce que là, je peux allumer la torche par hasard? J'imagine que non. Bah. Hein? T'as dit dans l'énigme, t'es dans la geôle que tu vas allumer les 4 torches. Ouais, je confirme, mais écoute, je suis désespéré. Mais non, t'es pas désespéré. Si, total. Je suis total désespéré. C'est pour ça qu'il faut se débarrasser des deux. Non, mais je sais. En fait, je peux même pas les approcher. Le problème, c'est que de toute façon, j'aimerais bien, hein. Mais j'y ai pas la portée. Du coup, bah, faut que je m'approche. Et si je m'approche, je suis déjà morte. C'est ça mon souci. C'est que j'arrive même pas à m'approcher à ces deux pour leur faire des dommages. C'est pas que je veux pas les tuer, hein. À un moment, j'y arrive juste pas. Je sais plus où je suis allée. Je suis descendue là, je crois. Ouais, c'est ça.
prends mon épée au cas où j'arrive à aller au cake. Attention, ta main droite est... comment j'inverse? Tienne l'épée dans le... Voilà. Tu coupes beaucoup. Je suis pas fort. Même pas à monter. Ah, j'arrive pas. Faut que je cours. J'arrive pas. T'arrêtes de le sélectionner là. Bordel, je n'y arrive plus. D'accord, super. Bien là. Sélectionne ta popo, soigne-toi, attends la flopée et vas-y. Il est au sol, fichier. Ça m'arrange pas. Pas grave. Avec un petit sort. Je pense que d'en haut tu pourras atteindre le ouais, deuxième. Ouais ouais. Déjà allumer celui-là. Un petit peu fourbe. Ouais, sur le sur toit là, tu es un peu fourbe. Je mets un petit sort puis. C'est surtout le souci, c'est surtout que je sais pas par où je dois aller après. Tu laisses. L'autre aussi il est mort je crois si j'ai eu son... Ok. L'autre il a dû mourir avec la chute. Oh là là. Sauf que je ne sais pas où est l'autre. Le dernier feu allumé. Ah peut-être là-bas. Peut-être là-bas. Saute de toi en toi. J'ai raté mon toit. Ouais, c'était là. Ok. Faut que je retrouve un moyen d'y aller. J'ai vu comment j'y vais. En général, je descends genre là. Je vais là. Ok, ok. Quand on aura fait ça, ce sera fantastique. Il faudra que j'aille me coucher. J'avais pas besoin de monter, mais c'est pas grave. Au moins, je me repère. Ça me repère que dalle, en fait, puisque c'est de l'autre côté. Là-bas ? Petit peu un gros bide, hein, ton... Non ? C'est juste l'armure, elle a été faite comme ça. Pour les gens qui aiment la vie. T'aimes pas la vie? C'est là-bas. Mais comment j'y vais là-bas? Comment je vais sur ce toit là-bas? Moi j'ai peut-être pas besoin d'aller de toit en toit. Hein. Tu me diras. Mais j'ai envie. Je me sens plus en sécurité. Il y a d'autres échelles, oui, c'est vrai que je les trouve pas. J'ai vu qu'il y en avait, mais j'arrivais pas. Dégage! Il tombait.
Je vis pas. Il va être chiant, lui. Il est au sol, il va être chiant. Ah, c'est pas grave, prends un autre angle. Sur l'autre toit, par exemple. Non, j'ai plus de mana. Il y en a d'autres qui s'en mêlent, mais je m'en fous. C'est pas ici. J'ose même pas descendre prendre le loot parce que je sais pas comment j'en montrerai. Bah c'est pas ici, c'est où alors? Là y'a rien. Hein. Ah, à moins qu'il faille que je rentre en roulant. On va tenter. Pas du tout. J'ai tenté. Quand tu te trimbales, mets une torche. Pas si tu tombes sur l'autre. De quoi? Attention de pas tomber sur l'autre si t'as pas de torche. Tombe sur l'autre. Bah voilà. Ah! Ah! Soigne-toi, il va pas te la. Sert à rien, il se téléporte sur ma gueule. Ignore le reste sur le toit et allume. Mais j'ai rien vu à allumer, hein, par contre. Là, j'ai vu un mausolée au loin, bah il y avait rien dessus. Donc, un mausolée, pas du tout. Une sorte de kiosque plutôt, rien à voir. Mais il y avait rien. Cette save petite. Chercher sans être dans la geôle, vu qu'il y a plein de zones où j'arrive pas à accéder à cause des portaux, je sais pas si ça va m'aider. Je t'ai dit tout à l'heure. Bah ouais, mais en fait je ne sais pas où sont les endroits annulés. Jumper, il va t'aider. T'as... Oui, non mais même, je sais pas comment les repérer. La preuve, même alors qu'ils sont censés briller, bah là tout à l'heure j'ai confondu. Je veux bien qu'il va m'aider, sauf que bah en fait j'aurais aucun moyen de savoir si l'endroit en question c'est un bon. Ah bah déjà il y a une échelle simple ici. Ouais je l'avais déjà vu, je sais pas comment accéder mais je l'avais déjà vu. Bah je pensais que c'était là-bas, sauf que là-bas c'était pas le cas. Bah c'est une grande plateforme donc du coup faudra regarder s'il y a une autre grande plateforme. Et je pensais que c'était là mais là il y a même pas de statue, il y a rien. Que je l'ai vu. Ah bon? Ouais, il y a une grande plateforme toute vide à un moment. Bah, sur le dernier toit où t'es. Ouais. C'est peut-être ça, je pense. Bah, non, parce qu'il y a rien en fait. Même j'y suis allé, j'en viens en fait juste avant là. Dans la zone où je suis censé les allumer. Il y a rien, il est censé avoir une petite statue. Ah. Du coup, bah, s'il n'y a pas de petite statue, je dis. Mais ouais, pas celui qui est couvert. Ah, pas celui qui est couvert. Je regarde au loin. Ouais, il y en a pas très grand. Hein. Je pense. Ah, oh, je sais pas. Bon, je vais regarder dans les ruines. Peut-être que c'est dans les ruines. Ouais, genre ici là. Pas y accéder autrement. Non, ça doit être encore dans les toits. Je pense aussi. Ça, je l'ai fait. Non. Attendez, je vais regarder sous celui-là, parce que maintenant j'ai un doute. On a pas de statue là, mais il y en a peut-être à la base. Mais je pourrais pas monter sans Joyjumper de toute façon. Si, mais je pense pas qu'il y en ait une. Mais bref. Faut regarder.
Moi, je vais aller à la géole, je vais voir. Ah, c'est à l'extérieur de la ville. J'irai direct en géole. En geôle. Moi, je dis géole. Ça s'écrit géole. Ah, je voulais équiper avant. Tant pis, je courrai. C'est le même type en plus. Sous lui. Ah oui. Une échelle. Vite, grimpe. Grimpe ou je te tape. Quatrième. Un seul a été brisé dans le village. Un seul. Hein. Bah, ça doit être le seau de l'eau. Chargement. Ah, j'apparais là. Ok. Bah, t'as fini l'énigme, donc du coup, il te vient. Et du coup. Ah oui, c'est le saut qui est là. Ok, ok. Incroyable, on a réussi! On est fantastique. Il y a un portail. Et bah, nous verrons où ce portail nous mène la prochaine fois. Là, c'est du teasing. Bisous, la VOD! Hey, des bisous.